Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBase. Tous les plaisirs pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission qui parle et qui décrypte l'actualité au quotidien. On va aujourd'hui faire les points sur trois principaux sujets. D'abord, les lois là-bas où une délégation des sénateurs ont effectué une visite d'inspection pour évaluer la mission ou le travail réalisé par Madame la gouverneure Aï Fifi Masuka. Mais seulement les informations à notre possession nous renseignent que cette délégation est divisée aujourd'hui quant aux résultats ou au travail trouvé sur terrain. On va aussi faire les points sur l'arrestation du directeur général du bureau central des coordinations BCECO. En sigle, c'est relative au dossier Bukangalonzo pour lequel Matata Ponyo a été sauvé par les sénateurs. Puis on va chuter avec les dossiers Jeep des députés finalement. Qu'est-ce qui se cache derrière cette cacophonie? On en parle au cours de cette émission avec Maître Mardoché Msele, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue Maître. Bonjour Hervé. Comment allez-vous? Non, ça va. La situation politique, économique, est-ce que ça évolue? Ça marche bien parce que je viens de saluer la décision qui est prise par le président public. S'il faut parler, la décision qui a été prise dans le Conseil des ministres pour la baisse de prix de produits de première nécessité sur le marché, la décision que nous avons aussi saluée et accompagnée, il reste à vous, n'est-ce pas, les hommes des médias. Mais l'AFEC s'oppose à cette mesure du gouvernement. Bon, quelque part, c'est l'AFEC. Albert Hume à la tête. Mais si Albert Hume prend une pareille décision, n'est-ce pas, il trouve opportun, avec des raisons valables par rapport aux enjeux de leur... La procédure n'a pas été respectée, semble-t-il. Écoute, nous sommes tenus aux résultats, nous ne sommes pas tenus aux moyens. La population souffre. Et que les gens ont besoin de vivre selon leurs moyens, leurs possibilités. Vous savez, pourquoi on dit que l'État a l'impérium? C'est l'État a la possibilité d'imposer la décision, c'est pour le salut du peuple. Moi, je trouve que Albert Hume, avec sa corporation, ils sont libres d'aimer de point de vue, mais tout n'est pas nécessaire à prendre en compte pour le moment. Ce qui est important, c'est accompagner ces décisions dans la mise en application. Mais moi, j'invite plus le gouvernant à pouvoir intervenir en tant qu'entrepreneur. Parce que l'interventionnisme étatique, ce n'est pas seulement la régulation, mais c'est aussi l'entrepreneuriat. L'État, comme le chef de l'État veut payer des bateaux de pêche, qu'est-ce qui empêche, n'est-ce pas? Ah bon, ceci est possible qu'il y ait aussi des avancées significatives en termes d'infrastructures de base. Je parle des infrastructures routières. Je parle des calémies où il y a des poissons, n'est-ce pas? C'est possible si la RN est asphaltée, les gens peuvent quitter le Kinshasa et faire du bon travail, nous amener le produit des calémies, ainsi de suite. Les routes à des aides agricoles, c'est aussi un facteur qui peut aider à la baisse du prix de première nécessité. Est-ce que la position de la FEC ne risque-t-elle pas de fragiliser la mesure du gouvernement? C'est une autorité. La position de la FEC, elle soumet à l'autorité compétente, ce n'est pas la FEC qui prend la décision. La FEC fait des propositions à qui de droit. Mais non, l'État qu'on l'a décidé, n'est-ce pas, que la décision soit l'application, c'est-à-dire qu'on avait exalté, on a tenu compte, on une a balancé. Une unilatérale pour la FEC et son président Albert Hume. Moi, je trouve que c'est une façon juste de jouer au védétarisme. Ça n'a rien à voir. Ça fait beaucoup de temps que la FEC a existé ici, sous Kabila. Et une partie des gens a été déjà prise quand? Donc, je trouve que non, c'est une aventure qui n'a pas son sens. Ce qui est important, c'est d'accompagner la décision que les chefs ont prise pour permettre à la population d'être à l'aise. Ce qui est important. Ce n'est pas la procédure qu'il doit respecter pour que les mêmes résultats demeurent. N'est-ce pas? Pour mieux faire les choses, il faut les faire autrement. Moi, je salue la décision prise. N'est-ce pas? Il reste à vous, les hommes des médias, les femmes des médias, de faire du travail pour n'est-ce pas, rendre public la décision qui est la plus bonne décision par rapport aux enjeux de l'heure. Que Hume et la FEC puissent être. Mais d'après moi. Très bien. On va s'envoler du côté des lois là-bas pour parler de la visite ou de la descente de la délégation des sénateurs qui était partie s'enquérir de la situation au niveau du Lualaba. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que nous apprenons là que cette délégation est aujourd'hui divisée. Il y a ceux qui approuvent les réalisations de Mme Fifi Masuka et de l'autre. Il y a aussi des sénateurs qui estiment que Fifi Masuka n'a pratiquement rien fait. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette délégation? Il y a des sénateurs, j'ai utilisé les pluriels, qui ont approuvé, n'est-ce pas? Et qui appelait toujours à chaque moment maman gouverneur pour les réalisations. J'ai vu des intellectuels sénateurs devant des caméras et des micros, n'est-ce pas, reconnaître que nous étions très épatés de voir une femme nous présenter un plan de mouvement des élections. Avant de continuer, c'était la délégation des sénateurs seulement de la province du Lualaba ou c'était une délégation complète? C'était seulement les sénateurs des différentes provinces. Non, du Lualaba. Okay. Du Lualaba.
il y a 3 sénateurs qui ont approuvé, qui ont accompagné, qui ont reconnu. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient inondés, n'est-ce pas, de mensonges que les pro-Tshisekedi étaient en train de distiller. Excusez-moi, ce n'est pas les pro-Tshisekedi, les pro-Mouyesh étaient en train de véhiculer le mensonge pour faire voir aux sénateurs que voilà, oh là là, ben, il n'y a rien, c'est la chasse à leur sorcière, écoutez, c'est le mensonge, c'est de l'incompétence, et ceci, c'est cela. Mais les sénateurs, lorsqu'ils sont arrivés sur le terrain, ils ont tourné kazakh. La position des sénateurs m'ont plu, parce qu'ils ont vécu, ils ont palpé que c'était vrai. Fufu Masuka a fait du bon travail dans tous les secteurs. Parce que vous savez, à l'époque, on parlait de la province pilote, n'est-ce pas, à travers les vidéos que nous avons consommées ici à Kinshasa. Mais province pilote sous Fifi, c'est une réalité, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un slogan. Alors, imaginez-vous que dans le secteur artisanal, n'est-ce pas, dans le secteur minier, on a mobilisé 6 millions de dollars dans un échange de 3 mois. Une échange de 3 mois, on a mobilisé 6 millions dans un secteur. Et puis, elle a posé, elle a construit des dépôts, elle a posé des barrières, elle a conscientisé des créateurs pour les rire. Prenez conscience de faire ça bien. Parce que la province doit gagner et vous aussi, vous devez gagner. Et ça a donné 6 millions dans 3 mois. Alors, qu'est-ce qui était la base de la division? Je suis en train d'atterrir. Et vous savez, nous avons 450 ethnies en repos de la moitié du Congo. La province du Grand Katanga, en général, c'est une province réputée tribale. S'il faut le dire, parce que nous avons connu, n'est-ce pas, la cessation katangaise en 1992, des tristes mémoires, on ne peut pas revenir sur ça. Alors, la province du Lualaba, avec Tshumboge, qui a même mis une radio en place, baptisée Top Lualaba. À radio Top Lualaba. Maintenant, FM Top Lualaba là-bas, le travail c'est de distiller le mensonge du tribalisme envers le Kassaïen. Dès lors que lui-même a épousé une Kassaïenne qui est en train d'être torturée moralement à la maison pendant que son mari passe tous les jours pour dire voilà, on va les chasser, ils vont encore rentrer. Donc c'est lui le peur de la nouvelle vision du sessionnisme. Lualaba Katanga. Le Alaba Kassai, ça c'est Tshumboge. Que lui, pour faire sa politique bien, il faut toujours critiquer, insulter, même les chefs de l'État, même ses collègues députés, même les institutions, il n'a même pas du respect envers le peuple qu'il a donné mandat. Et c'est celui que Mouyej est en train d'utiliser pour déstabiliser les institutions. Alors, c'est avec le même Tshumboge qu'ils ont vendu des 2 hectares de Mwangeji et les Guest House sans pas ça. Lorsque l'Assemblée provinciale a compris que non, ce n'était pas important de garder quelqu'un comme un rapporteur, n'est-ce pas? Mais qui est depravé. Non, il a été, n'est-ce pas, éjecté et au profit de l'honorable Gaston Mouchid, qui est un monsieur très intègre et très épanoui. Qu'est-ce que j'allais dire par là? C'est-à-dire que les réformes, n'est-ce pas, dans le cadre institutionnel, a vu le jour en fonction de la délivrance que nous avons connue avec Fufu Masuka. Elle a dénoncé le plan démoniaque. Elle a sorti la province dans une gouffre de mégestion et de détournement. Les caisses de la province ont saigné et au profit des intérêts de Mouyej. Ça, nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Mais quelles sont les avancées? Je veux vous dire d'abord sur le plan des communautés vives collectives. Fufu Masuka a essayé de mobiliser toutes les communautés vivant là-bas, de parler le même langage au profit du développement de la province. Chose faite, ça s'est caractérisé d'abord par la composition de son cabinet, par la composition de sa cellule de communication, n'est-ce pas? Et toutes les 4 langues de la République sont représentées dans son cabinet. Une première, moi je connais des provinces où il n'y a même pas, s'il n'y a pas des ressortissants de la province, donc quelqu'un qui vient de la province ne peut pas le faire. Mais Fifi l'a fait. Est-ce que vous ne faites pas des Fifi Masuka, c'est qu'on a fait des Moïse Katumbi hier? On l'a vanté, Non. Fifi Masuka, si elle tombe dans le même piège avec Mouyej, je serai la première personne à passer sur tes caméras, dire qu'elle a détourné, elle a fait ceci. Parce que je ne suis pas la sorte de Fifi Masuka. Je vous l'ai dit. Alors, j'ai fait ma politique, au là-bas, j'ai compris que c'est une province la plus tribale. Mais aujourd'hui, le tribalisme est combattu. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est le visionnaire, c'est lui qui est le porteur de sa vision, et c'est lui qui est, n'est-ce pas, l'architecte du plan quinquennat de développement de la République démocratique du Congo. Il a besoin des bons managers dans nos provinces qui sont ses représentants légaux, des gouverneurs de province. La légitimité du chef de l'État évaluée à 19% sous Mouyej, aujourd'hui s'élève à plus de 72%. Oh là là-bas. Vous avez vous-même vu l'accueil qu'avait réservé là-bas au président public, sous Fifi Masuka Saini. Comparativement à ce que nous avons vécu avant, moi j'étais au là-bas. Je connais quand est-ce que, lorsque le chef de l'État a été publié président public, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on a pu dire? Alors revenez sur la question. Mais non, nous allons dans le secteur de finances. Il y a eu un colloque. N'est-ce pas, sur les ressources humaines, la mobilisation des recettes, tout ça.
et il y a eu des résultats ou des conséquences très positives, n'est-ce pas, qui donnent espoir que Fifi peut mieux faire dans une échéance d'une année plus que celui qui a fait 6 ans au pouvoir. Je voudrais encore soulever quelque chose que je n'avais pas soulevé l'affaire passée. Vous savez que depuis 2015, il n'y a jamais eu d'arrêté portant fonctionnement du gouvernement. Même les ministres que vous avez soumis il y a 2 ans aujourd'hui, ils n'ont jamais composé leur cabinet parce que le gouvernement ne l'a pas donné la possibilité. Et nous avons découvert qu'il y avait 209 personnes fictives qui recevaient 900 dollars à la fin du mois. Une manque à gagner pour la province. Mais dans la chaîne de développement, c'est le montant où les salaires est déterminé pour les membres du gouvernement, les agents et les personnes d'appointe. Déterminé. Alors, les directeurs du cabinet payaient les gens selon son vouloir. L'argent est destiné, par exemple, on a fixé un montant de 2500 dollars, mais on te paye 400 dollars. Tu n'as pas le droit de réclamer les 2500 parce que tu n'as pas un statut juridique, n'est-ce pas, qui t'est défini comme tel. Et quand tu peux commettre des infractions dans ce sens, on te poursuit pour usurpation de fonctions publiques. Regardez dans quelles conditions les gens vivaient là-bas. Et puis, je vais encore signer un arrêté en 2018, n'est-ce pas, portant la mise en place de quelques structures. Les structures budgétivores, ils sont au nombre de 6. Sur les suivis, je ne sais pas de quoi là, plus de 6 structures qui sont budgétivores. Pendant que les gens qui sont dans les structures ne sont pas investis. Et que la province verse 4,9% au budget national. Les 90% de recettes dans les poches. Alors, quand Fifi arrive, elle va assainir les institutions pour remettre les choses en ordre. Et nous connaissons combien est-ce que la province prend en charge. Ça, c'est un élément qu'on doit prendre en compte. Et le deuxième élément, on brise les tribalismes ethnismes, n'est-ce pas, pour construire une force dans la consolidation de l'unité nationale et toutes les langues se sentent à l'aise dans le là-bas. La province plébiscite à l'époque la plus tribale de la République, où on a connu des événements malheureux à l'époque. Je parle de 1992-1991. Aujourd'hui, une femme qui sort de sa torpeur pour s'inscrire dans la lignée des femmes qui ont marqué le Congo et impacté positivement. C'est pourquoi nous disons que les sénateurs sont arrivés, ils ont apprécié. Fifi Masuka a présenté le plan de développement dans une échéance réduite et les gens ont crié que c'est la vérité. Maintenant, il y a un groupe aussi, n'est-ce pas, des sénateurs, qui sont les pro-tel. Parce qu'un sénateur ne peut pas être pro-tel. Moi, je comprends que c'est une irrédévelabilité. Tu es devenu sénateur parce que Mouyej a sorti l'argent de sa poche, il a corrompu quelques députés qui t'ont donné mandat et tu es là. Je vois, en toi, tu es redevable. Tu ne peux pas passer outre. Vous n'allez quand même pas remettre en cause aujourd'hui la liberté d'esprit de ces sénateurs. Non, écoute. Qui ne se reconnaissent pas au travail de madame la gouverneure. S'il vous plaît, ne pas reconnaître certains droits. Mais on peut reconnaître en fonction d'une vérité qui existe et ça doit être soutenu. Tu dois étoffer ton propos avec quelques vérités, quelques preuves. Ces gens étaient sur le terrain. Les sénateurs avec excellence sur ce que ce sont, ils ont visité, ils ont vu. Et puis un sénateur dit... Maman gouverneur, nous avons visité. Tous étaient sur terrain ou il y avait un groupe seulement qui était parti avec Non, trois étaient partis. Il y a l'un qui s'est retiré parce qu'il était promouillage. Et il a réuni le gens, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il est promouillage? Hier, il y a eu une réunion que lui avait coordonnée. Ce monsieur a coordonné une réunion pour parler même de nous. C'est là-bas, j'étais à l'ordre du jour pour dire que ce monsieur qui fait trop de bruit sur la radio, il n'est pas originaire du Lualaba. Pendant que ce monsieur a une femme kassaïenne à la maison qui a fait des enfants. Excellence Fifi Masuka a épousé un monsieur du Kassaï, ils ont des enfants. Monsieur Tchumboj, sa femme, c'est une kassaïenne. Et puis, ils se sont épousés. Ce qui manifeste que voilà, les liens que vous avez créés doivent être les symboles d'unité et d'amour. Mais c'est le contraire. Ils demeurent encore dans des sentiments de tribalisme en plein 21e siècle. Et il veut nous apprendre quoi? C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État, nous demandons à la justice de notre pays, n'est-ce pas, d'être très vigilants sur les gens qui décident des propos tribalos, ethniques. Il faut les arrêter, les mettre en prison. Comme c'était avec Ngoï Moulunde. Moi, je l'appelle Ngoï Moulouche. Alors, je pense qu'il faut faire l'effort de faire le bien. Un sénateur qui a réuni les gens pour les rivaux là, Mouyej a bouffé l'argent. C'est l'argent de sa province. C'est l'argent de chez lui. Il doit rentrer chez lui. Nous attendons que le chef de l'État libère Mouyej pour qu'il rentre ici, comme si nous étions dans une jungle où Mouyej a connu l'inceste, n'est-ce pas, dans sa chambre, il peut arranger avec sa famille comme il veut, tout comme il peut dire je ne le fais pas. Or, nous sommes dans un état de droit, un état dans lequel le principe de la primauté du droit doit être d'application. Alors, nous inscrivons en faux, n'est-ce pas, contre la démarche de ce sénateur. Il est l'unique dans sa position. Vous comprenez? Il n'est pas unique. Moi, j'ai vu récemment un groupe de jeunes qui ont protesté aussi pour exiger les retours. Il y a une révélation que je vais te faire sur ce plateau. Il y a une révélation. Moi, je suis le coordonnateur national de la nouvelle génération pour les changements qui a vu le jour en 2015-2016. Actuellement, il y a deux structures fictives qui existent qui parlent le sceau et les écrits. N'est-ce pas? On parle de Kamani Vecha, Kamani, je ne sais pas. Il y a un truc là-bas qu'on appelle encore Kamani Virgile. Ce sont des trucs qu'on a montés de toutes pièces juste pour accompagner Mouyej dans la réclamation du retour. De son retour au Lualaba.
ce sont des structures qui n'existent plus, qui n'existent pas, s'il faut le dire. Mais ça existe que sur les réseaux sociaux. Les gens que vous avez vus faire des déclarations, moi je connais que une fois, il a fait voyager des jeunes ici pour venir déposer un mémo, ici au ministère de l'Intérieur. Et la plupart étaient des mineurs. La plupart étaient des mineurs. Même la déclaration que tu vois là, la plupart ce sont des mineurs et quelques étudiants qu'on a instrumentalisés pour faire. Ils n'étaient même pas au nombre de 12 personnes. Et j'ai suivi, ce sont des petits événements qu'on ne peut même pas tirer attention parce que la majorité de la population accompagne Philippe Massouka dans le programme de la mise en exécution du vision chef de l'État. Alors, nous, on ne peut pas perdre notre temps ici, des gens comme Denzel ici, passer, faire une bonne analyse. Les gens nous suivent de partout dans le monde. Ils ont besoin de nous voir dire des bonnes choses. Et puis, alors, on passe pour analyser sur des petites structures. On va boucler ces chapitres. Et puis, la plupart, il peut des petits pantalons derrière quelques petits ministres, il paye quelques derrière mouillages, ainsi de suite. C'est pourquoi ils ont le droit de dire ça parce qu'il faut. C'est également ce qu'on dit de vous. Non. Vous êtes à la moi, je suis un monsieur. Hervé, laisse-moi te dire, moi, je suis un grand monsieur. C'est madame qui vous fait vivre ici. Non. Écoute, je te dis une chose. Tu vois, moi, avant d'embrasser la politique. Tous ces beaux vêtements qu'on voit. Non, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Avant d'abord de parler politique, avant d'entrer en politique, j'étais toujours en costume. Les gens qui me connaissent que ces messieurs-là portaient des costumes il y a longtemps. Pendant que les autres ne faisaient rien du tout, ils sont venus pour avoir 100 dollars. Laisse-moi te dire que moi, je suis un grand entrepreneur. En dehors de la politique, je sais vivre, je sais payer les papettes pour mes enfants. Donc, facilement, quelqu'un ne peut pas me dire non, c'est les. Je vais devenir ce que tu es pour la politique. Non, mes lunettes, tu sais, connais que ça ne coûte pas cher, c'est 15 dollars. Mes costumes, je connais celui qui me donne des costumes depuis la nuit de temps. C'est Fifi Massouka. Non. Voyez, ouais, Fifi Massouka. Fait la différence par rapport à d'autres personnes. Si c'est du côté mouillé, je peux vous citer la liste des individus qui se promenaient à pied. Ils avaient des babouches. Hein? Mais aujourd'hui, ils sont en costume. On va boucler ces chapitres. Alors, Richard Mouillet, toujours bloqué à Kinshasa, bloqué ou comment, je ne sais pas. Madame Fifi Massouka continue de régner au Lualaba. Finalement, quel est le sort qu'on va réserver à Mouillet? Parce que jusque-là, l'Assemblée provinciale n'a jamais tablé pour, ça, tu as posé, pour trancher. Tu as posé une bonne question. Une très bonne question, je vais te répondre. Mouillet, j'ai soutenu à Kinshasa parce qu'il a été interpellé par l'IGF. Qu'il y a eu des tourments de fonds dans ta province. Quels sont les résultats des enquêtes? C'est ça, c'est que j'arrive. Et qu'est-ce qu'on a fait de ces résultats? Le résultat est déjà là. Le rapport est déjà là. Je pense que tout ce qui reste, c'est de déposer ce rapport devant le procureur pour la Cour de cassation, qui est le juge naturel du gouvernement. Qu'est-ce qui bloque le dépôt de ces rapports? D'accord. Ça, c'est une question directe à Gilles Linguette. Il a une réponse à te donner. Mais à mon humble avis, je suis allé saisir la Cour de cassation, n'est-ce pas? J'ai écrit au procureur, j'ai copié le président public, j'ai copié aussi l'IGF. Et puis, nous avons voulu demander l'ouverture d'une action judiciaire. Maintenant... Contre qui? Contre Mouillet, pour détournement de 306 millions de dollars, c'est d'après nos enquêtes, nous avons découvert qu'il y a absence de perte de 306 millions. Ça fait de Mouillet le plus grand détourneur de tout le temps. Depuis que le Congo est Congo, avec presque ses frontières actuelles, on n'a jamais connu un détourneur de fonds qui va au-delà de 250 millions. Parce que Matata Ponyo est en dessous de 250 millions. Mais Mouillet est dans les 306 millions. Attention, et il n'a même pas honte, mais il continue. Aux imputations dommageables. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Si ce sont les imputations dommageables, qu'il n'y ait publié le rapport. Si c'est en dessous de 250 millions. Ce n'est pas en dessous de 250 millions. C'est au-delà. Donc ça fait de lui le plus grand détourneur de fonds. C'est pourquoi je l'appelle l'icône de tous les détourneurs de fonds au Congo. Lui mérite la perpétuité. Si peut-être la peine de mort était encore là, on allait les pendre. Parce qu'on n'a pas besoin de gens dans une société qui souffre, qui a besoin que les recettes soient mobilisées au profit du salut du peuple. C'est impossible. Maintenant, imaginez-vous que quelqu'un détourne comme ça. Mais il continue les démarches, mon frère. Il a besoin de rentrer au loin là-bas. Non, ça c'est un démon incarné ou c'est une personne qui réfléchit normalement? Mais ça ne peut pas, c'est inconcevable, Hervé. C'est très, on ne peut pas accepter. Quelqu'un qui détourne l'argent à ce niveau, le rapport est là. Et nous demandons à l'inspecteur général des finances de déposer ce rapport. Maintenant, en ce qui concerne l'Assemblée provinciale du Lualaba, dans ses attributions régaliennes, je pense que l'Assemblée, conformément à l'article 41... Il y a absence prolongée du gouverneur. C'est ça ce que je dis. 40-41, on parle de la motion de censure et de défiance. C'est-à-dire que tout le gouvernement est réputé démissionnaire. OK? Alors, il y a faute grave. Ça, c'est l'article 67 de la loi sur le principe fondamental relatif à la libre administration de la province qui dit ceci. Lorsqu'il y a faute grave, c'est-à-dire outrage à l'Assemblée, détournement de fonds, mais gestion, et ainsi de suite, ou d'autres infractions de droit commun,
Le gouverneur ou le vice-gouverneur, comme tous sont, sont justiciables devant la cour de cassation, n'est-ce pas? Si l'un d'eux est cité dans le détournement de la médiation ou d'autres infractions de droit commun pendant l'exercice de leurs fonctions, n'est-ce pas? L'Assemblée provinciale s'est saisie, n'est-ce pas? Et vote ce qu'on appelle la mise en accusation du gouverneur de province. Et cette mise en accusation doit être votée, n'est-ce pas, à la majorité de l'Assemblée et déposée devant la cour de cassation ou le parquet près de la cour de cassation pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte ou une action judiciaire soit ouverte à l'endroit de celui qui est présidé. C'est pourquoi nous avons demandé à l'Assemblée d'agir comme tel. Alors, on n'a pas besoin de perdre beaucoup de temps, notre travail, nous l'avons déjà fait. Alors, c'est à l'IGF, à la justice de faire son travail. Si il ne le fait pas, nous allons emprunter d'autres options. On a bouclé les dossiers Lualaba, revenons à Kinshasa pour parler de l'arrestation du directeur général des... comment ça s'appelle encore, Bureau Central de Coordination, BCECO en sigle, dossier Boukangalos. Alors finalement, est-ce qu'on sera en mesure de tirer les choses au clair par rapport à ces projets? Matata, qui est pointé du doigt comme responsable intellectuel de la débâcle de ces projets, a été protégé par le Sénat. Nous ne savons pas si un jour la justice pourra encore mettre la main sur lui. Alors finalement, est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'on puisse établir toutes les vérités sur les projets Boukangalos? Si. C'est possible. Alors, si Matata apprend que le principal détourneur de fonds, n'est-ce pas, s'est fait protéger par des voleurs comme lui qui sont au Sénat là-bas, alors qu'il a corrompu et qu'il y a des voleurs encore qui ont contribué au détournement des frais alloués au projet Boukangalos, qui n'ont pas des immunités parlementaires, où il faut commencer par là. Il faut commencer par là. Notamment même, le directeur général du BCECO. Bien sûr. Qui est déjà à Makala. Est-ce que vous croyez qu'on l'a arrêté seulement en fonction de rien? Andron disait, nous l'homme crémé, nous la pouvons s'il léguer. Et rien ne peut faire sujet de poursuite si le sujet pour lequel il est poursuivi n'est pas prescrit dans la loi. Vous comprenez? Donc il est cité dans les détournements. Et jusqu'alors, il est sous mandat d'arrêt provisoire. Provisoire pourquoi? Parce que la terminologie qu'on peut utiliser, c'est qu'il est présumé auteur. Il juge de la présomption d'innocence. Mais avec les kabylistes, les féfessiens, il n'y a pas présomption. Donc, mettez-vous en tête que ces messieurs, réellement, même le montant pour lequel il est reproché, c'est infinitésimal, peut-être que vous allez découvrir, c'est au-delà des 1 million. Alors, moi, je pense, il y avait une requête qui était introduite à la Cour constitutionnelle pour l'interprétation d'une disposition constitutionnelle, n'est-ce pas? Alors, je pense que c'est très important de s'atteler sur ça, nous donner la possibilité d'avoir tous les voleurs dans le filet de la justice. Parce qu'on ne peut pas... Au niveau de la Chambre basse du Parlement, on a déjà levé les immunités des deux députés impliqués aussi dans les dossiers Boukangalos. Mais alors? Mais c'est au Sénat que les choses sont bloquées. Mais moi, je trouve que ce qui est important, c'est que la Cour constitutionnelle, qui est la haute cour, doit intervenir pour interpréter cette disposition. D'abord, moi, je suis pour... Le juge qui avait parlé de la suppression des immunités. Suppression des immunités parlementaires, ça n'a pas un rôle. Je pense que ça devient maintenant... Ah oui, il y a refuge hein, pour des voleurs, des détourneurs. Il se cache derrière. Et puis, la plupart des politiciens préfèrent devenir des députés, des sénateurs. Pourquoi? Parce que après avoir détourné, il est sûr que non, il serait protégé. Vous vous rendez compte? Donc, nous voulons que tous ces gens qui sont impliqués dans les détournements de fonds de Boukangalos soient arrêtés. Et en même temps, que cet argent soit remis dans les trésors publics. Mmh. Parce qu'on en a besoin. Ce sont des milliards et des milliards de dollars. Alors ce qui est important, c'est qu'une autre possibilité serait mise en place pour que Matata Ampogno, n'est-ce pas, soit appréhendé par la justice. Mais comment au niveau de l'Assemblée nationale, la levée des immunités des députés impliqués dans l'affaire Boukangalos n'a pas posé problème? Mais par contre, c'est au Sénat qui est réputé être la chambre des sages que les problèmes se posent. Comment vous expliquez ça? Est-ce que les députés sont plus consciencieux que les sénateurs? Non, c'est un problème de la conversion. Tu vois, il y a des gens qui ont été bien convertis. Bosso qui a été au FCC, plus converti que Bati Lukwebu. Oui, oui. Alors Bati, je pense que c'est parmi les ratés. Mais attends, quand les gens font... Pourtant, Bati a été les premiers d'ailleurs à tourner. Non, non, il est hypocrite avec sa voix angélique là-bas, une voix de séduction. Bien sûr. Bati a une voix de séduction. Il séduit les autorités, les présidents, Félix, c'est un mensonge ces vieux-là. Ils auront un mauvais service au Sénat. Vous comprenez? Parce que d'après moi, j'aurais voulu que Tambo Mamba Demer là-bas qui batte. Parce que ce que Bati fait, il ne prouve pas qu'il est de l'Union sacrée de la nation. C'est de l'hypocrisie notoire. Est-ce qu'il revenait à Bati Lukwebu de lever les immunités de Matata Ampogno? Les sénateurs ont voté. Est-ce que vous avez toute liberté? La première impression est la meilleure. Mm. Tu as suivi l'impression de Bati d'abord, dès le premier jour que le procureur a écrit au Sénat? Il n'était pas quasi d'accord.
Il a proposé la mise en place des commissions. Ainsi de suite. Les dossiers des votes étaient très clairs. Clos, on a suspendu. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est qu'au Sénat, il y a des ratés à un union sacrée de la nation. Il n'y a pas de gens qui ont été bien convertis. Donc, c'est un raté. C'est comme dans un travail. Hein. Vous faites quelque chose, mais ce n'est pas convenable. C'est devenu un raté. Alors, ce sont des trucs qu'on ne peut pas utiliser. Alors, je pense qu'il y a des députés, des sénateurs non convertis qui sont des ratés. Et là, ils font encore du travail pour les pousser à la raison. Très bien. On va rester toujours dans les couloirs du Palais du Peuple pour parler cette fois-ci de l'Assemblée nationale et l'affaire 500 jeeps des députés. J'ai suivi la semaine passée, je crois, les députés de l'ECID de Martin Fayoul qui ont refusé, je ne sais pas moi, cette offre ou cet emprunt, je ne sais pas quelle expression utiliser. De l'autre côté, il y a vraiment une cacophonie qui ne dit pas son nom dans cette affaire des jeeps des députés. Est-ce un cadeau ou un crédit? Bon, vous savez, Hervé, moi ça me fait rire lorsque tu as évoqué les députés de Fayoul. La plupart des députés de Fayoul, là, ce sont des gens qui souffrent beaucoup. Ils souffrent comment? Mais d'abord, leur chef Fayoul là-bas, c'est un mendiant. Fayoul là-bas, c'est un chômeur, il n'a rien. Écoutez, je vous dis la vérité, Fayoul me suit. Même les pros Fayoul, les Pengé là-bas. Toi, tu ne vois pas la santé des Pengé, même sa façon de marcher, que c'est quelqu'un qui souffre trop. Les bruits qu'il fait, il les fait inutilement parce qu'il n'a rien. Ils sont dans l'opposition, c'est normal. Quelle opposition? Une opposition avec cette énergie-là. On ne peut pas utiliser une énergie pareille quand on est intellectuel sur le plateau. On doit avoir un charisme pour cacher les faiblesses ou quand on a faim, on cache. Quand on est bien éduqué, on ne peut pas dire à un ami que... Non. Il faut bien porter son costume, faire semblant d'être bien, d'être heureux et parler politique. C'est pas venir, on a faim, on prend la colère de ne pas être satisfait et dire le propre. Et puis une chose, la voiture, là-bas, Fayoul n'en a pas. Vous les pensez? Mais écoutez, cette catégorie, écoute, Fayoul, je connais que... Ce truc-là, c'est quoi? Son petit hôtel-là, c'est qui? Faden House. Combien de fois c'est fermé pour le non-paiement d'impôts? Il n'y a pas que ça. Oui. Et puis, dans son nom, mais Fayoul a eu des dettes. Il prend même des dettes chez les femmes. La femme de Gumbou de l'a prêté l'argent. Tu vois que c'est quelqu'un qui est, comme on l'appelle mafia, là, il est devenu la mafia. Alors, si réellement, l'équipe de Fayoul peut émettre un avis par rapport aux 500 dips. Ils peuvent exprimer les RN. Ils se disent non concernés. Ce sont des esprits faibles. C'est cadeau, je ne sais pas. Écoutez, moi, c'est cadeau. Allons-y doucement, quel cadeau? Des petits esprits faibles comme ça. Ils veulent se faire un nom. Et Fayoul là-bas, un petit politicien qu'on ils a fabriqué. Des députés nationaux. Écoute, ce sont pas des, un politicien des infinitésimal créé en 2018. Et fait se faire une santé politique par rapport à des grands robustes qui ont une légitimité incontestable. Non, par rapport à l'affaire de 500 types, écoutez, il y a aussi des opinions que vous devez prendre en compte et ce que vous ne pouvez pas prendre en compte. On a dit que c'est un crédit. Un député a le droit de vivre de ses émoluments. C'est son droit le plus légitime. Vous dites que c'est un crédit, mais Daniel Safonou nous dit que c'est les cadeaux du chef de l'État. Et un message qui a fuité aussi, et un message attribué au président de l'Assemblée nationale, Bosoko. Est-ce que le chef de l'État... Clairement que c'est les cadeaux du président de la République. Le chef de l'État peut s'adresser... Qui dit faux. Le chef de l'État peut s'adresser à la population à travers Daniel Safonou. C'est un député. Mais tu as ta réponse. Est-ce que le chef de l'État, tu sais, tel que je le vois là, même ses ministres, même le premier ministre, il dit voilà, pour communiquer à notre peuple, passer par Daniel Safou. C'est un député. Non, Daniel Safou. C'est un élu du peuple. Écoute. Il a derrière lui une non, base. Non, écoute, s'il faut parler de Daniel Safou ici, j'ai des frissons. Parce que si tu vois son comportement, c'est comme ma boule. C'est comme des gens qui sont à moitié fous, à moitié normal. Il faut dire, ça existe dans notre classe politique, on normalise au Congo, on peut fabriquer un politicien qui était sous la rue, et demain il porte un costume, il va utiliser la Mercury Chrome, et c'est fini avec ses trois français, c'est fini, il est honorable député. Et tout ce qu'il peut mettre devant un micro, devant la caméra, les gens doivent avouer. Daniel, ça vous dire quelque chose, et moi je suis là pour discuter sur le propos de France. Écoute, je deviens malade. Non, laisse-moi te dire, député national, c'est un titre, mais le fond, c'est. C'est cadeau. Non, c'est de la matière fréquente. Laisse-moi vous dire une chose. Je ne peux pas discuter ou soit commenter les propos de Daniel Safou. C'est comme tu es sur la route, tu croises quelqu'un qui est en train de t'insulter, mais tu regardes seulement sur l'état d'esprit. Facilement, tu peux comprendre à qui tu as affaire. Maintenant, en ce qui concerne les crédits, je vous dis, les députés vivent de leurs émoluments. D'abord, Daniel Safou, je le vois avec Ketch. Moi-même qui n'ai pas député, je ne me promène pas avec Ketch. Quand on est politicien, c'est de l'influence, c'est de la noblesse. On va terminer l'émission. Vous comprenez? Ce que moi, je vais dire, c'est quoi? C'est un crédit. On coupe dans les émoluments. Où est la place des Fatih là-bas? Et puis deux, nous disons en latin accessorium or principala, c'est-à-dire l'accessoire sur le principal. Le principal ou la priorité pour un député, c'est plaider la cause de son fief, sa base. Maintenant, l'accessoire... Est-ce qu'on a besoin de la DIP pour plaider la cause de sa base? Est-ce qu'on vous a dit que la DIP a été donnée pour plaider?
La dîme n'a jamais été. Vous avez suivi les communiqués du rapporteur de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. La situation sociale des députés pose problème. Il y a des députés qui viennent à la plénière en moto. Mais écoute, mais c'est ça. Alors, ils se plaignent, ils viennent en moto. Mais l'État, si... laisse-moi te donner une bonne explication. L'État a facilité la tâche aux députés d'avoir un partenaire qui peut leur donner des dips à crédit de manière collective. Et on va commencer à soutirer dans les abonnements de tout un chacun, n'est-ce pas? Jusqu'à une échéance donnée, et c'est fini, la DIP reste la vôtre. Ce n'est pas la DIP de l'Assemblée nationale qui fait cadeau à un député, ou c'est l'État congolais qui donne à un député. Non. Est-ce qu'après avoir coupé dans les abonnements, vous croyez que Daniel Essavoula va prendre cette DIP-là et remettre? Dernière question, au nom de la transparence, est-ce qu'on peut nous dire les noms de la banque qui a donné cet argent? Parce que vous évoquez les crédits. Les noms bon, de la banque qui a donné l'argent. Le problème, c'est quoi? L'entreprise qui va nous fournir, c'est le problème, c'est véhicule. Quoi? Cette question, c'est une bonne question, mais je ne peux pas me substituer au porte-parole de l'Assemblée pour donner les détails sur... J'ai suivi récemment Eliezer Ntambo sur Top Congo. Lui, quand même, c'est un député. Mais moi, je suis un analyste indépendant. Malheureusement, Eliezer également n'était pas en mesure de justifier la manière dont on va commencer à lui... C'est ce que je dis. Moi, j'ai justifié ceci. Il y a un flou total. Dans cette question, sur la question des 500 DIP, il y a des opinions et des propos que vous pouvez prendre en considération. C'est-à-dire que les députés bénéficiaires et les présidents de l'Assemblée nationale entretiennent le flou. Non, la vérité c'est quoi? Quand on dit c'est un crédit, on s'attelle sur ça. Dire que c'est le chef de l'État qui a donné, c'est un mensonge. Un crédit qu'on a pris où? Bon, je ne sais pas, il y a beaucoup de discussions, je parle de Bifowad, il y a beaucoup, ça ce sont des détails. Vous êtes journaliste d'investigation, vous pouvez aller donner le détail. Mais à ce que je sache, quand on cite un crédit, c'est-à-dire quoi? Le député dans ses émoluments, il n'est pas capable de payer 20 000 $ directement avant la DIP. Ok? Et pour que tous les députés soient servis, il faut que l'intervention de l'État pour demander à un distributeur ou quelqu'un qui peut, une entreprise ou une société, n'est-ce pas, qui peut leur aider, de donner de manière collective les véhicules. Pourtant, et commencer à recevoir de l'argent. Des professeurs d'université qui vont donner cours à pied. Pourquoi on ne va pas aussi donner des crédits aux professeurs? C'est un processus. Aux magistrats. C'est un processus. Ça dépend aussi de ce que les professeurs reçoivent. L'émission est terminée. La caméra est là devant vous. Votre dernier message, puis on va se séparer. Mon dernier message reste celui-ci. La décision est prise pour la baisse de prix des denrées alimentaires. C'est une décision que nous devons soutenir et accompagner. Le chef de l'État n'a pas payé des DIP pour les députés. Mais je pense que le chef de l'État a fait faciliter la tâche aux députés d'obtenir les DIP et payer leurs crédits dans une échéance donnée. Mais je pense que le Congo a besoin des gens qui réfléchissent, que des gens qui font du bruit. En politique congolaise, c'est de la comédie qui se joue à 80% et la politique se fait à 20%. C'est-à-dire ceux qui sont dans les 20%, faites l'effort de vous jouer le rôle d'une lumière dans l'obscurantisme pour permettre à notre population de voir clair sur le fonctionnement des institutions. Alors, nous sommes dans un pays des droits. Tout celui qui est cité dans le document d'argent doit être arrêté. Très bien. Donc, c'est tout. Mardo Tchensele, merci de votre passage. Merci, Abel. Fin de cette émission. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.